Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ce sera un maquillage d'Halloween. Alors un peu le visage brûlé ou infecté. Alors on va commencer vraiment par prendre une serviette pour notre vêtement pour pas le tacher parce que sérieusement ça tache énormément. Et ensuite on va prendre une lingette démaquillante pour démaquiller le visage. Par la suite on va prendre un crayon blanc ou un maquillage blanc pour venir tracer la zone où est-ce qu'on maquillera pas. On va garder ça plus effet peau. Prenez vraiment votre temps pendant cette partie-là parce que sinon ça va vraiment gâcher le maquillage au final. Par la suite, la partie la plus plate, mais on doit le faire parce que sinon, je crois qu'il va y avoir un problème dans votre sourcil ou la barbe. Je vais venir mettre de la colle en bâton qui est lavable et non toxique pour la peau partout dans le sourcil et dans la barbe si vous en avez. Et cette partie-là, vraiment, c'est que le latex n'arrachera pas, à vrai dire, votre sourcil et la barbe. Alors, c'est vraiment, vraiment important. Et pour ce maquillage-là, j'ai mis 3 épaisseurs de colle sur... ma barbe et le sourcil, et entre chaque étape, j'ai dû sécher avec un séchoir pour vraiment bien figer ma barbe et mon sourcil. Alors pour cette partie, on a voulu avoir aussi un effet peau autour de la zone où il n'y aura pas de maquillage. Alors on a fait réduire une pâte de farine et d'eau mélangée ensemble et on l'a appliqué finalement sur le crayon blanc pour vraiment avoir un effet peau un peu décaloté du visage, je pourrais dire. Pour cette partie aussi, on a mis du latex sur l'effet peau pour que ça colle un peu plus parce que sérieusement, ça collait pas beaucoup. Alors pour nous aider, on a mis du latex liquide par-dessus l'effet peau. À l'intérieur de la zone où il n'y aura pas de maquillage, on a seulement mis un fond de teint de ma couleur de peau qui m'allait le mieux pour avoir une peau vraiment parfaite pour que ça soit vraiment différent avec le restant du maquillage.
Et on arrive dans la partie la plus salissante. À vrai dire, on a pris du gruyot tout simple, mais qui va faire vraiment une différence pour le make-up. On a mis du latex liquide partout sur mon visage et par la suite, on a mis le gruyot par-dessus et on a laissé sécher. Ça va nous donner, à vrai dire, un effet plus peau brûlée, peau boursouflée également. Et ensuite, on a mis un tampon démaquillant sur mon œil pour le cacher avec du ruban adhésif pour la peau pour qu'il tienne. Et on continue le même processus partout dans la barbe également. Et après ça, on met du gruau un peu partout sur notre visage. Mais attention, cette partie-là est vraiment salissante, alors prenez bien votre serviette pour pas qu'il y ait du gruau un peu partout chez vous. Moi, c'était vraiment l'enfer, alors je vous avertis vraiment de faire attention à votre plancher. Après tout ça, on a pris de la couleur noire pour venir tracer le tour finalement de notre maquillage. Ça va vraiment donner une profondeur à notre make-up. Et ensuite, pour la surface blanche que vous voyez, on a pris à vrai dire du vert, du rouge et du noir pour venir vraiment faire un effet brûlé, un peu moisi aussi. Et un peu infecté justement, mais qui va donner vraiment beaucoup beaucoup de relief et de la crédibilité à votre maquillage. Finalement, pour terminer le make-up, on a pris du faux sang, alors c'est ma partie préférée, alors du faux sang un peu partout, et pour le restant de mon visage où il y aurait de la peau, on a mis seulement du spray noir pour cheveux pour faire un effet un peu sali. Le maquillage va être terminé, alors je vous laisse un peu avec un bêtisier de la fin, où est-ce que j'enlève mon maquillage, alors merci à tous d'avoir regardé, et je vous laisse avec le petit bêtisier. C'est le fun, Max? Do it for the like. Je vais avoir une barbe après, tu penses? Oui. Ça t'enlève quand même bien, par exemple. Ça tire-tu? Ouais, ça tire. On dirait que genre, je me fais botoxer la face. Yam. La peau qui attire. Oh my god, je suis rendu où l'œil là? Mais là, il y a la tête, c'est pas super, c'est le meilleur bout. Hein? Coucou, l'œil de Max! Oh my god! Max, tu vois à nouveau? C'est un gros morceau! Mais qu'est-ce que c'est dégueulasse! C'est ça que ça fait, faire des vidéos YouTube. Devenez youtubeur à beauté. Allez, tire là-dessus. Ooh. Oh my god! On a un gros morceau ici. Attends, regarde-moi. Dégueulasse. De la chair qui pend. Comment avoir la face détruite? Genre de même, là. Wow. Ah, c'est chic. On aime ça. Oh, regarde-moi comment ça. Puis ton sourcil. La colle est encore là. Elle est encore là. Bon, on va aller se mettre la face en tour de l'eau. C'est comme un behind the scene. Tout le monde voit que le beau, genre. On va dire, hey, c'est pas le malade, c'est de la merde d'enlever. C'est vrai. C'est la partie le moins fun. Pour savoir, Maxime, tu l'as porté combien de temps ton maquillage? Non, 10 minutes. À peine 10 minutes. Montre-nous ta tronche. Ah, on voit plus rien. Je vais faire un...
Il est fortement conseillé de prendre une crème hydratante après. André, je change de type de laver pendant genre 6 mois. Maxime est célibataire. Il est à la recherche de... meufs. Hein. De meufs. Ou de femelles. De femelles? Il est à la chasse. Gabrielle n'est pas célibataire. Elle est enceinte. Je suis parent. Bon, c'était fort bien. Qu'est-ce qu'on dit? Ben, du coup, mettez un like. Et si vous voulez bien, abonnez-vous à la chaîne. Puis dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que Gabrielle fasse une chaîne de make-up Halloween. Hein? Elle pourrait commencer seule. Moi, n'arrête pas de rire de moi parce que je me filme toute seule. Mais ils vont voir que, genre, si les autres aussi ont une chaîne, ben. Mm-hmm. On va rire aux autres aussi. Voilà. Bye bye. Bye.